Georges Brassens, je sais, vous l'aimez beaucoup. Les anciens, vous savez, l'ancien monde avec les anciens artistes. C'était une autre chose, mes chers amis. N'est plus là ce qui était là dernier siècle et l'ancien monde. Beaucoup de choses ont changé et beaucoup de choses vont changer. Et c'est la vie. Vous savez, j'avais un Américain, ami, il est mort avant-hier. Mais au début de l'année 2000, quand ce coronavirus a été et commencé à être diffusé dans le monde, cet ami qui habitait à Los Angeles, il me disait, David, tu sais, il y avait un garçon méchant. Ses parents ne faisaient pas attention à lui. La méchanceté peut-être venait de là, c'est lui qui parle, il était un écrivain. Alors ses parents ne l'embrassaient pas, ne le prenaient pas dans le bras, pas des câlins, et toujours il faut faire ça, il faut faire ça. Bill, pourquoi tu as fait ça? Bill, réveille-toi. Bill, fais ça. Bill, n'aie pas fait ça. Après il a dit un jour, dans ses rêves, je veux faire en sorte que le monde entier ne pouvait plus s'embrasser, ne pouvait plus prendre dans ses bras les personnes qui aiment. Et je veux fermer la gueule de tous ces gens-là. La gueule de tous ces gens-là avec une masque. Puisque nous sommes à la fin de confinement, à la fin de porter le masque. Un ami que j'ai perdu, il avait 90 ans. Il savait beaucoup de choses, il connaissait beaucoup de choses aussi. Il disait ça. Alors ce monsieur, que sa mère ne l'a pas embrassé, son père ne l'a pas fait de câlin. Alors, vous savez, on voyait que ça marche bien, puisqu'à l'époque, les religions commencent à commencer. Vous le savez, les religions commencent à se commencer. On était, nous, des imbéciles. On croyait qu'il y avait un phénomène au nom de Dieu. On dit Dieu, il s'appelait le Dieu, qu'il envoyait des prophètes qui, à sa place, parlent avec nous. Mais si Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk étaient à l'époque, il aurait dit, monsieur, s'il vous plaît, nous, on peut entrer dans les rêves de tous les gens. On peut changer la tête des gens très facilement, individu par individu. C'est pas vrai que toi tu envoies des messagers, nous on peut tout faire. En plus tout ça, j'avais écrit il y a déjà 22 ans. 22 ans, j'ai écrit, j'ai rêvé de Dieu. Il pleurait comme un bébé. J'ai rêvé de Dieu. Il pleurait comme un bébé. Alors je le ramenais du ciel, sur terre, d'abord le Dieu. Deuxièmement, nous avons pleuré ensemble. À l'époque, il a déjà 22 ans. Et après même, j'ai dansé avec lui, j'ai dansé avec le Dieu. Et voilà, c'était ça la vie. Mais les prophètes, ils disaient, voilà, c'est le Dieu qui parle avec moi et je suis obligé de parler avec vous pour vous guider. Alors à l'époque, j'ai dit, si le Dieu va changer la tête des gens, lui-même individuel peut le faire. Il peut le faire. Alors j'ai rêvé de Dieu, il pleurait comme un bébé, c'est déjà traduit en anglais, en français, en persan, accessible sur l'internet, bien sûr. Voilà, voilà, c'est ça la vie. C'est ça la vie, mes chers amis. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez fait des poèmes, des pièces de théâtre, des scénarios concernant tout ce qui se passe depuis déjà 2 ans, toutes les pertes que tous les États, tous les individus, ils ont où, nous sommes où, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais de toute façon, nous sommes là, ici et maintenant, et vous, vous avez la parole, et n'oubliez pas que si vous nous appelez, vous avez la parole tout de suite, comme d'habitude, sur 95.2 FM, radio ici et maintenant, qui vous donne la parole depuis déjà plusieurs années. Depuis le dernier siècle, c'est-à-dire fin du XXe siècle, 20 ans et 21 années du XXIe siècle, que nous sommes avec vous, grâce à qui? À Master Didier Doppler.